Bonjour tout le monde, comment vous êtes? Et matin là, je fais une petite vidéo ça pour vous. Je suis en arrière parce que je prends un bus pour mon travail. Et c'est juste pour apporter une petite précision pour tout le monde qui a posé la question. Est-ce que vous supposez continuer de tramiter ou bien processus pour les papiers? Si papier expiré ou bien est-ce que vous supposez camper? C'est pas ça du tout. Et même si vous avez le président dit dans la dernière déclaration de PA qu'il a allongé la route ou bien canet qui expire, ça veut dire qu'il a allongé pour un an. Ça ne veut pas dire pour vous-même pour camper ou pas continuer à faire processus. Ou des provisoires expirés, continuer à faire processus. Ok? Comme ce président qui dit, dans les mesures prises contre le coronavirus, là, et dans toutes les mesures pour aider à prévenir le coronavirus, là, ça veut dire que c'est une façon que tout le monde qui gagne. Et canet yo expiré pour qu'un service ou bien n'importe bagaille dans pays, OK? Donc ou même qui est pour l'expirer, pas arrêter chita sur ça mais continuer et faire tramito gens ça mandé. Et pas oublier les président de son bagaille qui est légitime. Ou pas besoin de tendre un autre monde dire pour qu'a quoi là-dedans. C'est pas parce que président pas ministre santé, il parle de bagaille de santé ou pas quoi là-dedans. C'est pas parce qu'il pas directeur immigration ou pas quoi dans ça dire. Donc un président c'est dernier ou bien c'est première autorité dans l'État qui fait ça au mandat, ok? Pas oublier, restez branché TZ pour n'importe information qui gagne sous et coronavirus, sous éducation, sous santé, sous immigration. À la prochaine, n'a pas parlé.